Cette année, c'était la 25e édition de la Journée nationale de la paye, un événement exceptionnel avec plus de 700 participants. Chaque année, nous proposons deux formules, la journée en présentiel dans un lieu prestigieux à Paris, la formule à distance avec le même contenu, le même niveau de qualité de formation et le même encadrement. Moi, ce que j'apprécie particulièrement chez les intervenants, c'est souvent la clarté des explications, l'esprit de synthèse. C'est la complémentarité qu'ils ont entre eux. Ce n'est pas la première fois que je réalise ce type de formation avec eux et je les trouve vraiment très précis dans leur réponse. Grâce au partenariat entre la revue fiduciaire et le groupe Ségos, notre format original permet aux participants le matin de voir toute l'actualité de la paye, le midi de déjeuner et de partager avec leur père, l'après-midi de s'exercer sur des cas pratiques directement transposables dans leur entreprise. Ils repartent également avec une documentation complète ainsi que des annexes issues des publications de la revue fiduciaire. J'aime beaucoup les supports, il y a quand même une richesse au niveau des documentations qui sont non négligeables dans un métier en évolution comme le nôtre. Les ateliers de l'après-midi sont en plus petits groupes pour vous permettre de profiter au mieux de votre expérience de formation. Cette année, on s'est régalé avec les M&M's. Le MNS, le montant net social. Alors je suis spécialement venue cette année pour la mise à jour de tout ce qui est réglementation européenne, notamment l'acquisition des congés payés en cas d'arrêt maladie. La prime de partage de la valeur, c'est un sujet d'actualité. L'évolution qu'il y a pour les congés paternité notamment. Nous vous donnons rendez-vous dès maintenant pour l'année prochaine, en décembre 2024. Les 10 et 11 décembre en présentiel. Et les 13 et 17 décembre à distance. À l'année prochaine. À l'année prochaine.